Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de T-shirt Chanel. Je pense que vous allez voir derrière moi, je vais me décaler, mais il y a un corps là-bas en fait. On voit pas la tête, ça qui est bien, il va falloir que vous devinez ce que c'est. Qui est en train de foutre un bordel pas possible. Tu peux me dire ce que tu fais Tu peux me laisser travailler un peu là, je suis en train d'installer les supports muraux de pack and bass là. Comme okay. Ça on va avoir un peu de calme. Un peu de calme. Et pas de calme. Ah de calme, ah, on n'aura pas de calme. Excellent, on aura excellent. Pas de calme. Bon, attends, je continue. Bon, maintenant que le bordel est fini, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'attaquer à la présentation des box, maintenant. Si Désolé, hein, j'étais en train de faire... Donc, on va présenter quoi ce mois-ci, Amine? Ok, il y avait beaucoup de produits, il y avait beaucoup de marques. On avait vraiment, je pense que c'est la période où on a mis le plus de marques dans les box. Carrément. Et à l'inverse, on a mis des techniques différentes et des produits totalement novateurs. Ouais, donc c'est vrai. Certains ont été surpris par rapport à ça, mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer comment les animer et comment les monter. C'est ça. On va peut-être rapidement citer les marques qu'il y avait dans les box ce mois-ci. Okay, donc il y avait Adams, Megabass, Maruto, Savage Gear, Black Flag, Sawamura, Cat Spirit, VMC, Duo, Yum, Lake Fork. Beaucoup trop. Et je crois que j'ai oublié personne. Au pire, tout s'affichera parce qu'il y en avait quand même beaucoup ce mois-ci, il faut avouer. Ouais. Au niveau des box, comme d'habitude, on va vous présenter ultra léger, médium, big bait et mer. Exactement. Et je pense qu'on va directement se lancer, mon petit Mignac. Oui, juste pour rappel, il y a un nouveau packaging. On vous en parle à la fin de la vidéo. C'est ça, ouais, carrément. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça on vous expliquera un peu le pourquoi du comment. Exactement. Allez, c'est parti. Box ultra léger. Ouvrons. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans, mon très cher Mignac? Alors juste pour info, moi, j'ai Alex a commandé la Mystery Tackle Box, donc c'est le concurrent américain. Oui, je pense que tout le monde connaît. Et en fait, quand tu la reçois, t'es comme un gamin en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. C'est vrai. Et là, c'est pareil. Quand j'ai ouvert les box, bah, je savais ce qu'il y avait dedans. Bah, surprise, tu vois. Mais je pense que chez vous aussi, vous devez être comme des enfants à regarder, waouh, c'est quoi et tout. Et ça nous fait vraiment plaisir. Carrément. Bon allez, c'est parti. Je commence. Vas-y. Parce que j'aime bien les grenouilles. Mais vas-y, mais je suis foncé. On la refait. La grenouille de chez Adams. Ouais. En 4,5 cm. Très bon, très très bon produit. Ensuite, on continue toujours chez Adams. C'est surtout Adams qui était bien à l'honneur dans la box UL. Donc là, c'est un petit jack de chez Adams. C'est le, j'ai pas le nom, le Up Mino en 55S. Un jack pour la truite, pour la perche, pour un peu tout ce que vous voulez. Exactement. Ensuite, nous avons le crank 40 SPSR de chez Adams. Toujours un super crank qui nage pas. Qui nage bien. Non, un super crank qui nage bien, surtout en stop and go. Vous allez le voir de toute façon dans les animations. Ouais, carrément. C'est plutôt bien marré. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, nous avions un petit leurre soupe, toujours pareil, de chez Adams. Je n'ai pas le nom. C'est le micro Wormtail 35, donc 3,5 cm, donc du tout petit leurre. Pour aller chercher nos amis les péperches ou la truite-truite qui est fermée, mais donc on va pas chercher la truite-truite, c'est fermé. C'est interdit. C'est fermé. Sauf en deuxième catégorie où vous avez le droit de la pêcher. Bien évidemment. Mais par éthique, effectivement. postez pas les. Bref, on s'en fout. Ensuite, il y avait les Maruto, donc c'était des hameçons drop shot. Qui peuvent par exemple aller avec très, ça. Très bien avec ça, exactement. Voilà. On a fini pour la box UL. On passe à la box médium. La box médium, donc la regarde box médium. Regarde comment elle s'ouvre, regardez. Allez. Vous allez dans le bon sens. Fais-nous une belle ouverture, Amine. J'ai craché dessus d'ailleurs. Ah. Oui, non, j'ai craché sur la box. Oui, merci. Alors, bon, est-ce que je vais. Non, mais il va pas y arriver, vous inquiétez pas, c'est... il est pas très. J'ai coincé, gros. Ah voilà. regardez. C'est pas stylé ça, franchement. Donc, des nouveaux produits dans la box médium, mais je vais commencer par un produit qui. Ça m'a fait plaisir de le mettre dedans, honnêtement, parce que je voulais la tester. Alors, il y en a beaucoup qui se sont dit, mais pourquoi vous mettez ça à cette période? Eh ben, détrompez-vous. Les leurres de surface, ça marche vraiment bien, surtout en automne. Et là, on a mis le 3D Bat de chez Savage Gear en 7 cm pour 14 grammes. C'est ça. Donc c'est un crawler, il va nager comme ça. Et c'est vraiment bien pour le brochet et le bass. C'est ça, mais pour revenir aux leurres de surface, dites-vous que les eaux sont encore chaudes. Le temps a rafraîchi et les poissons sont très très aptes à monter en surface. Oh oui. On va passer avec un petit truc bien sympatoche de chez Megabass. Je pense que tout le monde connaît Megabass, donc c'est le Dark Sleeper. Un petit poissonnet à moitié texan, vous verrez dans la vidéo d'animation, qui prend un petit peu de tout, qui est vraiment très très joli, comme d'habitude chez Megabass. Ça déchire. C'est ça. Et on prend des Megabass. Bon. merci. Ensuite, on avait les Texans Adams. Alors ça, c'est des TP. Vous pouvez tout mettre dessus. C'est très intéressant, surtout pour les pêcheurs de cendre. Moi, je sais que chez moi, je pêchais beaucoup le cendre avec ce genre de leurre. De tête tombée, pardon. Et c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, je pense qu'on va en prendre un chacun, Amine. Ah oui. Alors, attends. Non, déjà, on fait un petit jeu. Amine. Alors, je vous montre rapidement, du coup. Voilà. Alors, Amine, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. C'est quoi?
Attends, je peux en prendre un? Ouais, vas-y. Non, je peux en sortir. Non, mais vas-y, pas de soucis, tu peux. Alors. Je t'y autorise. Alors, si je suis vulgaire, je dirais un mot. Non. D'accord. Non. Donc, ça ressemble. Ça ressemble à. Ouais. Non, c'est pas un cigare. Non. Un tampon pour nez. Ouais. Non. Non. C'est un leurre, tu crois? Je pense que c'est un leurre. C'est un leurre. Ah, bon. Effectivement. Alors, vous allez me dire. Ah, il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent dans les commentaires. Mais qu'est-ce que c'est que ce leurre? À quoi il sert? Et bien, tout simplement, c'est un Air Stick de chez Black Flag. Ça peut vous servir à beaucoup de choses. Et moi, j'ai ma petite idée. En fait, tout simplement, c'est la base d'un tube. C'est ça. Vous savez très bien ce que c'est qu'un tube. Je vais vous le présenter juste après. Et en fait, vous pouvez le découper comme un tube. Donc, ça vous fait un petit peu de manutention. C'est pas trop important. Mais surtout, vous pouvez l'armer avec un Texan non plombé, ici. Et ça vous fait un stick bait de surface. Et c'est vraiment. En même temps, les stick baits. Oui, c'est forcément toujours ça. Écoutez, j'improvise. Et effectivement, ça va vraiment faire la diff. Ouais. Surtout dans les endroits encombrés. Vous savez très bien que quand vous pêchez avec un stick bait, les hameçons, ça passe pas. Ah, bah ça passe pas dans les herbiers. Donc, dans les herbiers, dans les nénuphars. Et là, avec ce leurre, vous pouvez pas. C'est assez bizarre. vous pouvez passer avec. Voilà. Donc, ça, c'est le Nasty Air Stick. Et vous inquiétez pas, on va vous faire un petit tuto. Et donc, dans la box, vous avez soit eu le Nasty Air Stick, soit directement un vrai tube. Cette fois-ci, c'est le Run Tube ou le John Tube de chez Black Flag toujours. Donc la différence, c'est qu'en fait, il est déjà découpé. Ouais. Vous avez déjà les petites lamelles qui sont derrière. C'est ça la différence. Mais sur l'autre, voilà, vous inquiétez pas. Comme vous a dit Amine, c'est très simple à faire. C'est pas juste une espèce de saucisse toute molle. une saucisse bulgare. Mais voilà, on a fini pour la box Medium. Bien évidemment. Passons sur... Là c'est lourd. Bonsoir. Voilà. Alors. Donc. Tu vas réussir à l'ouvrir cette fois-ci? Ouais. Non, c'est bon, il y a cette fois-ci. Ah. On reste dans les tubes. Oui, c'est vrai que cette fois-ci on était très tubes. Ouais. On aimait les trucs flasques et les. Ouais. Voilà, c'est bon. En parlant de tubes, t'es pas plombier? Bon. Alors. Là je vous présente le Torpille en 23 cm. C'est un produit de chez Cat Spirits. C'est un gros tube. Exactement, c'est un gros tube. Hein, le tube de l'été, mémé. Dédicace à nos amis belges d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous commander en Belgique, c'est possible. C'est vrai. En ayant des frites. Alors, donc c'est un leurre pour le silure. Et, Le brochet. Effectivement, le gros brochet. Et je pense que ça peut être pas mal pour vous. Avec ce fameux Cat Spirit, il y a surtout les têtes plombées Powerhead de chez VMC Cat Spirit. Exactement. De chez VMC Cat Spirit, tout à fait. Donc en fait, ça va avec le Cat Spirit. Dans la vidéo animation, on vous montrera justement comment ça se monte. Enfin, vous verrez comment c'est monté justement les fois. C'est pas compliqué. Hein. Non. Et là... Non, laisse-moi me shooter vite fait deux secondes. Ah oui, c'est vrai que tu aimes beaucoup... Qui est-ce qui a jamais senti les one-up Sarah Moura? Ah mais toi t'es bizarre. en fait, on avait mis aussi les one-up 7 pouces coloris chartreux un petit peu. Ouais. Très très bon en cette période. Et ça finit dans ma boîte. Et ensuite on finit avec un leurre aussi tout aussi sympathique, c'est de chez Westin, c'est le Platypus Tease Tail. Donc une sorte... À ne pas confondre avec le Prépus. Le Prépus Tease Tail, ça va être le Prépus Tease Tail aussi. Donc un leurre bien sympatoche, vous verrez de toute manière dans les vidéos d'animation comment ça s'anime cette chose. Yes. Hop là. C'en est tout pour la box Big Bait. Tout à fait, passons à la box boudée, la box que personne n'aime. Pourquoi? Je sais pas, je pense qu'on pourrait même mettre une petite musique triste justement pour cette box. Fait vachement bien. Ouais, t'as vu, c'est fou, hein. C'est incroyable, cet acteur. Ah, c'est waouh. Alors, je pense que j'ai effectivement loupé. La box mère, elle n'est pas très commandée. Non. Pourtant, il y a plus de pêcheurs en mer que de pêcheurs en eau douce. Peut-être c'est à nous de nous adapter. On verra bien. Mais en attendant, je vais vous présenter le Life Magic Shad de chez Lake Force. Ça nage terriblement bien ce truc. Exactement. En fait, c'est un leurre de type swim bait. Mais souple, exactement. Et vous allez voir, ça marche très 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 bien. Ensuite, on passe directement au truc vraiment sympathique de la box mère. C'est tout simplement le Pencil 110 de la marque Duo. Donc un stick bait de la marque Duo. C'est juste terrible, ça nage très bien, ça prend plein de choses. Ça déchire. Magique. C'est très bien. Ouais, vraiment, vraiment. Et ensuite, Alors avec ce leurre là, je disparais. Il va peut-être apparaître un jour, hein, je sais pas. Mais du coup, c'est le Houdini.
de chez Yum. Donc la petite blague en fait, hein, je pense que vous l'aurez compris. C'est un mix entre un... C'est un mix entre un finesse et une sorte de chat, mais pareil, on vous montrera ça dans les vidéos animation. Et ensuite, on finit très rapidement avec les VMC Darting Head, donc des têtes plombées en 10 grammes, qui vont tout simplement avec les fameux Houdini et les fameux Lake Fork. Une tuerie. C'en est fini pour les box. Ce soir, elles sont volantes. Non, effectivement. Il faut qu'on reprenne une box. Donc, alors, pourquoi on a fait ce genre de volance? Tout simplement, on y a mis des ailes. Donc, c'est une box ailée. Et non, une box ailée. Alors, donc ça, ça va être le prochain truc que vous devez faire. C'est le Fisher Box Challenge. C'est tout simplement un concours sur les réseaux sociaux. Attends, je vais faire comme ça parce que déjà que je suis petit. Ouais. Sur les réseaux sociaux. Et en fait, le but, c'est de partager vos prises. Donc, on va vous mettre un petit clip à la fin, comment mesurer vos poissons. Et comme ça, vous pourrez nous les partager sur les réseaux sociaux afin de gagner des produits. C'est ça. Moi, je te laisse, je vais faire un tour. La petite chose importante, vous le verrez, comme a dit Amine, on s'est rendu compte qu'il fallait pas poser les poissons sur la réglette. On vous mettra une petite cinématique, on va dire, en gros, pour vous expliquer comment faire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez toujours au petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des améliorations et surtout des retours même négatifs, l'espace commentaire est là pour ça. Ne l'oubliez pas, on sera là pour vous répondre et tout simplement pour lire vos retours. Là-dessus, on se dit à bientôt tout le monde. Je pense que ce petit mignac est tout mignon. Et on se laisse et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.